Un poivron en guise de verre? Un nanogomme? Un moule à boule à neige? Tu penses que ce sont des objets d'un monde étrange du futur? Non, c'est une compilation de nouvelles astuces amusantes qui font des merveilles. Les affaires scolaires de ma copine sont toujours en désordre. Elles sont éparpillées partout sur la table. Comment fait-elle pour s'organiser? Heureusement qu'elle a une amie comme moi qui est une organisatrice hors pair de matériel scolaire. Coupe un magazine en deux. Mets de la colle sur reliure et roule le magazine. Prends quelques pages et applique de la colle sur la reliure à l'intérieur. Retournez les pages pour coller leur rebord à la reliure. Répète l'opération plusieurs fois. Place la base sur une feuille cartonnée et trace les contours. Découpe le fond et colle-le sur le support en forme de fleur. Range tes affaires scolaires dans les pétales. Cet adorable support en forme de fleur est magnifique. En plus, il est plutôt pratique. Toutes tes affaires scolaires seront bien ordonnées. Tu ne perdras plus rien. Il y a encore plus de gomme au bout de mon crayon. Un crayon sans tête n'est pas un problème, car ma copine a l'anogomme. Sépare une gomme avec une bague en métal d'un crayon. Prends un anneau simple et colle la gomme sur le disque. Si tu veux effacer quelque chose, retourne l'anneau pour diriger la gomme vers le papier. Ah ah, la voilà! Ma copine avec son anneau magique. Je lui attrape la main et commence à effacer mes erreurs. Elle pense que c'en est trop et me donne son anneau gomme. Elle veut pas que je lui prenne la main à chaque fois que je dois corriger une de mes erreurs. La couleur jaune, une odeur de caoutchouc et de la fourrure d'écureuil sur des bagues en métal? C'est Edouard aux mains d'argent. Il se dirige vers l'entrée et rêve de te refaire le portrait. Ah! Oh, c'est ma copine! Elle a toujours de nouvelles idées. Elle a des pinceaux à la place des doigts aujourd'hui. T'auras besoin de bagues en métal provenant de vieux pinceaux cassés. Lisse l'embout avec du papier de verre. Enfile un gant en caoutchouc. Mets une goutte de colle au bout d'un doigt. Colle un pinceau. Fais pareil pour chaque doigt. Trempe tous tes doigts pinceaux dans de la peinture. Tu peux prendre plusieurs couleurs différentes en même temps. Peins une œuvre d'art contemporaine à l'aide de ton super gant. Il me semble que des dauphins ont déjà été entraînés à peindre des choses similaires lors de spectacles. Mais je veux pas le dire à la copine, au risque de la vexer. Je préfère la méthode des peintures classiques. Un pinceau dans une main. Tu combines toujours le yoga avec le ménage? Tu mérites mieux, Cendrillon. Par exemple, mon invention. Des chaussettes balai. Découpe un balai à franges en deux. Colle du velcro à côté de la découpe sur chaque moitié. Mets une chaussette sur ta main et glisse-la dans la poche de l'autre côté de la semelle. Fixe le talon de la chaussette sur le velcro. Tu pourras les retirer facilement pour pouvoir les laver. Utilise ces chaussettes balai ingénieuses pour que tes séances de ménage soient rock and roll. Nettoie le sol en dansant. Le monde entier brille autour de toi. Hurrah ! Il neige enfin ! Il faut que je sorte immédiatement. Comment ne pas rester coincé dans un amas de neige ? Utilise des casse-neige DIY. Prends une bouteille en plastique et découpe le fond et la partie supérieure. Découpe le cylindre en plastique en deux. Place chaque moitié devant ta chaussure et marque l'emplacement pour tes orteils. Fais des trous. Perce deux trous pour passer un élastique à l'aide d'un poinçon chauffé. Mesure un élastique de la taille de ton pied. Passe-le à travers les trous. Fais un nœud à chaque extrémité. Enfile les casse-neige sur tes bottes. Et voilà, une véritable astuce pour Père Noël. Bien que tu aurais pu fabriquer de plus gros casse-neige pour qu'ils soient plus efficaces. Ce n'est pas chose facile de faire une boule de neige parfaite. Fabriquons un accessoire spécial. Un moule à boule de neige. Retire la tâche d'une boule de neige en plastique. Coupe-la soigneusement en deux. Mesure un élastique à la taille de la paume de ta main. Fixe-le sur la demi-boule. Fais un moule à boule à neige pour chaque main. Enfile-le sur tes gants. Prends un peu de neige. Joins-les pour faire une boule de neige parfaite. Elle vole et touche sa cible. Ton moule à boule de neige est un excellent accessoire pour l'hiver. Un cierge magique, c'est incroyable.
mais les étincelles sont vraiment réelles. Sers-toi d'une autre astuce pour protéger ta main d'une pluie d'étincelles. Fais un trou au fond d'un grand gobelet en carton. Tiens le cierge par sa base. Mets ta main dedans. Regarde ton cierge briller en toute sécurité. Certains pourraient penser que je suis déguisée en Capitaine Crochet, mais ça m'est égal, puisque l'important c'est que ma main est bien protégée. J'ai envie de prendre un peu de sucre, mais on dirait qu'il n'y a que des fourchettes. Pourquoi tant de discrimination? Où sont passées toutes les cuillères? Heureusement, je connais une astuce. On aura besoin d'une fourchette en plastique. Entoure-la complètement de rubans adhésifs décoratifs. Une jolie cuillère apparaît au milieu du tas de fourchettes. C'est une grande nouvelle dans le monde des couverts. Une fourchette s'est transformée en cuillère. Et voici ma copine qui arrive et prend la seule cuillère disponible de la cuisine. T'as envie de boire quelque chose? Et y a pas de verre propre? Ne t'inquiète pas. Prends un poivron et fais-en un verre. Découpe le haut d'un gros poivron. Retire l'intérieur. Verse de l'eau dedans. Remets le haut en guise de couvercle sans la tige. Mets une paille dans le trou. Pendant l'été, tu peux utiliser cette astuce pour remplacer tes verres ordinaires. Tout ce dont tu as besoin, c'est de changer de légumes tous les jours. Ce verre original serait parfait pour un smoothie de légumes. Et la jolie cuillère, anciennement fourchette, s'accordera à merveille avec. Il n'y a plus de vaisselle propre! J'ai une astuce. C'est un gant de nettoyage ingénieux. Découpe la partie abrasive d'une éponge. Découpe-la en 5 bandes. Taille la partie plus douce à la taille de ta paume. Fais un trou pour ton pouce. Colle les bandes abrasives sur les doigts du gant en caoutchouc. Colle l'éponge sur la paume. Mets du liquide vaisselle sur ton gant. Fais ta vaisselle rapidement et facilement. Il ne faut pas jouer avec le feu. Comment se protéger la main des éclaboussures d'huile chaude? Utilise un écran protecteur DIY pour ta main. Coupe une bouteille plastique en deux. Fais fondre les bords de la partie supérieure avec un briquet. Glisse le manche de l'ustensile de cuisine que tu vas utiliser par le goulot. Mets ta main dans la bouteille. Ma copine me donne l'écran en plastique. Je tiens le manche à l'intérieur et ma peau reste ainsi protégée des éventuelles brûlures de graisse. Sers ton œuf au plat facilement et en toute sécurité. Bon appétit! J'allais me préparer des saucisses, mais on dirait qu'il n'y a plus de casserole disponible. Eh oh, où êtes-vous? Bon, si t'as pas de casserole, sers-toi de mon astuce ingénieuse. Mets des saucisses pré-cuites dans une bouilloire électrique. Allume-la et attends que l'eau boue. Les saucisses sont cuites dans la bouilloire. Tu peux savourer tes saucisses chaudes avec l'œuf au plat pour le petit-déj. J'ai des chaussettes qui sont loin du stéréotype qu'on leur attribue. Elles sentent merveilleusement bon. Mets des disques de coton dans des petites pochettes en plastique. Ajoute quelques gouttes d'huile essentielle dans chacune. Referme les pochettes et perce-les avec une punaise. Glisse les sacs parfumés dans tes chaussettes. Ma copine remarque que quelque chose est posé sur l'étagère. Qu'est-ce que c'est? Des chaussettes? Sur l'étagère? Quel super parfum! Ça doit être un désodorisant. Quelle belle matinée! Le café au lit et une tache sur mon t-shirt. Oh non, il est foutu! Ou peut-être pas. Pour cacher la tache sur ton t-shirt, agis radicalement. Mets-le dans un grand bol. Verse du café dessus pour recouvrir tout le t-shirt. Personne ne remarquera la tache. Le t-shirt est maintenant couleur café au lait. Et il sent bon café. S'il te manque une main pour porter ton goûter, cette astuce amusante te donnera un coup de main pour tout transporter. Marque les endroits où passer un cordon dans un siège de toilette neuf. Fais un trou à l'aide d'un poinçon chauffé. Fais pareil de l'autre côté. Fais les mêmes trous dans le couvercle. Passe un cordon en cuir dans les trous opposés. Fais un nœud à chaque extrémité. Passe le siège autour de ton cou pour te servir du couvercle en guise de plateau pour poser ton goûter. Tes mains sont désormais libres. Tu peux manger n'importe où, à n'importe quel moment. Mais n'oublie pas d'enlever le plateau WC avant de sortir dehors. Tu penses que ces astuces amusantes font des merveilles ?
Écris dans tes commentaires laquelle tu vas utiliser. N'oublie pas de t'abonner. Lâche ton like pour cette vidéo et clique sur la cloche pour connaître davantage d'astuces.